La longueur. Comment ça va les gens? Ça fait très longtemps que j'ai créé ce perso là. Je l'ai pas trop développé, il est qu'à 80 de général. Il a un t-shirt tout classique, il a des chaussures. Ah, il a quand même des chaussures Jordan. Mais je crois qu'en match il aura des chaussures toutes classiques en mode touquet. C'était quoi son tir, c'est ça? Ok. Mais bref, c'est Franco la Shootance. Le petit meneur shooter qu'on avait créé mais qu'on n'a pas touché depuis le temps. Donc, ouh, le petit switch, on aime. Bon là, je joue pas en Hall of Fame. Je joue la difficulté juste en dessous de Hall of Fame. Je joue en Superstar parce que comme j'ai 80 de général, je me suis dit, bon, on va pas se casser la tête. En plus, j'ai un shooter. Et ceux qui savent, savent que c'est un peu plus chaud avec les shooters en carrière parce que les joueurs Hall of Fame, ils sont là, ils se frottent contre toi. On dirait qu'ils veulent... Ils ont vu une meuf archi fraîche en boîte, ils veulent te coller serré comme jamais. Mais tu peux pas faire. En fait, tu peux pas faire grand chose avec un shooter et en difficulté Hall of Fame. Mais. Enfin, tu peux. Quoique je parle, mais je joue jamais avec un shooter. Donc, on va voir dès maintenant ce que je peux faire. Mais déjà, avec 80 de général, ça va être chaud. Donc, on va laisser en superstar. C'est déjà bien chaud, superstar. Je suis en dessous de Hall of Fame. Mais bref. Assez de blabla. Lançons-nous dans. Qu'est-ce qui rime avec A? Je sais pas. Ouh! Bref. Allons-y. Et il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle A Way Out pour ceux qui connaissent. C'est un jeu où tu dois t'évader de prison avec un pote, tu joues en coopération. Je vais sortir ça sur la chaîne, je sais pas si vous le verrez après cette vidéo, avant, en même temps, je sais pas. Mais je vais sûrement y jouer avec un pote. On verra ce que ça donne. Mais en attendant, on va shooter un peu avec Franco. Franco la shootance, Franco la longueur. C'est méga sûr et n'ont pas peur. Ils ont pas mal de potes. Black Blanc Beurre. Laisse pas traîner près de ta sœur. Ah, j'ai 75 de général en freestyle, je vais essayer de m'améliorer. Dites-moi si c'est trop ou pas assez, 75, peut-être que je me surestime. Est-ce que je suis un rookie? Non, ça va frère, pas besoin d'écouteurs. Je sais pas ce que tu racontes. Ah, du coup, j'ai Blake Griffin dans mon squad, mais dans la vraie vie, c'est le transfert aux Pistons. Mais là, il est encore avec nous. Je crois que le tir que j'utilise là, c'est pas ce. Oh non, c'est sûr que c'est pas celui que j'utilise avec Franco la longueur. C'est un mélange de D'Angelo Russell et Steph Curry, je crois. Parce que j'ai regardé juste avant le match et il s'appelait D'Angeri. Donc je crois que c'est D'Angelo et Curry. Allez, let's go. OKC contre les Clippers. Et du coup, comme j'ai pas trop joué avec ce perso, bah je suis pas dans le 5 de départ. Ok, on nous met à 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Ah, j'ai mis combien de minutes d'ailleurs? Je sais même pas. Bon, bref. On joue contre Westbrook. Let's go. Est-ce qu'on va pouvoir le défendre avec notre 80 de général? Patterson. Ah, d'accord. Ah, on se fait fumer de 10 points. Super. Le squad est assez faible. Le squad du banc avec lequel je joue là. On est contre notre gars Westbrook. Oh, je l'ai eu. Pour lui, mais tant pis. Allez, easy, merci. Je sais pas ce qu'il faisait Westbrook. Mais je comprends pas, je comprends pas. Bon, avec ce perso-là, je vais sûrement devoir jouer bien plus avec les tactiques parce que. Je t'ai vu. Oh là là, cette passe. Oh, tire ça toi aussi, Rivers. Rivers, lâche-moi ce ballon. Je suis seul. Let's go. Nope. Ça va, tu es rentré. Pourquoi je parle comme ça? Oh là là, vraiment? Westbrook, il met des 3 points dans mon visage, carrément. Le flotteur. Oh, pourquoi ça fait? Ça passe, ok. Je voulais faire un flotteur, mais ça fallait pas la place. On prend. Allez, flotteur cette fois. Ou mi-distance. Je vais faire un flotteur, mais je rate le mi-distance, c'est pas possible. Bon, les débuts de la shootance avec son 80 général, là, c'est tendu. Bon, premier carton. Sur dégueulasse. Sur dégueulasse, mais vraiment. Voyons ce qu'on peut faire dans le deuxième.
Allez, flotteur cette fois, obéis-moi. Merci, pour une fois. M1, merci. La première passe D, assez bizarre la façon dont j'ai fait cette passe D, mais tout ce qui compte c'est qu'on l'a, N1. Allez, hop, de ton visage. On va réussir à se débrouiller, même si on shoot à 5 sur 70. On apprend à utiliser la shootant, c'est tout ce qui se passe. Laisse tomber comme ça un carnage. Je savais que c'était pas mon style de jeu ce perso, mais je me suis dit je vais créer pour tester, t'as vu? Un petit shooter à la Curry. Enfin, j'ai pas mis un pur, mais un petit shooter quoi. J'aurais pu faire un meneur un peu plus complet, mais je me suis dit on va tester. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. En plus, il a aucun badge, cet enfoiré, j'avais oublié, ça, il a que 3 badges en bronze. Je sais même plus ce que c'est, mais... Il a 0 badge. Attends, je viens de me rendre compte. On se fait trouer par 30 points maintenant. Oh là là. Là, shootant, c'est pas très chaud et son équipe non plus, à ce que je vois. Allez, oh non, 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 je peux pas, les gars. Je peux pas. Et je crois que je vais faire ça. Je vais arrêter ce match-là, simuler jusqu'à la fin et me lancer dans un autre parce que. Que ce soit le score ou la performance individuelle, y a rien qui va. Bon, après, même s'il est pas super complexe, c'est pas trop genre le style de jeu que j'aime bien. S'il avait des badges, il serait meilleur, mais bon. Là, j'ai même pas de badge. Allez, prends ça. Ouais, bon. On simule la fin, les gars. Allez, on retente ça contre la Nouvelle-Orléans. J'espère que ça va pas être dramatique encore une fois. Ok, là, on perd pas quand j'arrive, on gagne. Gros duel à l'intérieur entre Griffin, Jordan et Cousins Davis. Hop là, petit layup easy. J'ai un bien meilleur feeling sur ce match-là. Je sais pas si c'est parce que j'ai Rondo en face de moi et pas Russell Westbrook, mais... Si ça avait été la longueur, Russell Westbrook, on aurait pu l'arrêter, mais avec ce perso, je sais pas trop. Il est pas encore prêt pour la guerre. Allez, flotteur, écoute-moi. C'est dedans. Je fais plus de flotteur avec lui. Je fais plus. C'est... Non, non, non. Troisième qui rate, ça suffit. Oh là là. Ce perso ne peut rien faire. Comment se passe-t-il? Allez, Griffin. Merci. C'est ça qu'on veut. C'est bien ça. Pourquoi? Putain! Ils veulent pas me donner un peu d'espoir. C'est un truc de ouf. En fait, tout à l'heure, je parlais des badges que j'ai. Voilà ceux que j'ai, en fait. Je n'ai pas 3 bronzes, j'en ai 4. Pro du pick and roll, briseur de cheville, attrapé, tiré, altruiste. Je crois que je viens d'en débloquer un match d'avant, parce que je suis presque sûr que j'en avais 3, mais... C'est pas avec ça qu'on va faire grand-chose, hein. 80 général, 4 badges bronze. Bon, l'avantage là, c'est que ce match là, on se fait pas complètement poutrer. On n'a pas Westbrook qui va nous mettre des feuilles de haut à 3 points et des dunks dans le visage. Je sais ce que j'avais dit, mais bon, c'était un réflexe. J'étais obligé de le lâcher là, et ça rentre pour une fois. Encore un flotteur. Hey oh. Combien de flotteurs je vais lâcher là? Le pire c'est qu'avec la longueur je peux avoir un badge Hall of Fame de flotteur mais j'en fais pas autant. Et là je peux pas mais j'en fais 50 000. Bon là on est à 6 points, 2-3 passes D je crois. Et je suis presque sûr, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a mis que des flotteurs là. Je verrai en éditant la vidéo mais je crois que j'ai mis que des flotteurs dans ce match là pour l'instant. Ça arbitre, ça c'est une faute, c'est ce qu'on appelle une faute là, d'accord, ok, je retiens, voilà,
Ball don't lie, comme disait Rashad Wallace. Non, Rashid Wallace. Les vrais savent. Ah oui, on est passé. Allez, on a 10 points. Maintenant, faut essayer de choper 8 passes. Le pourcentage, il est dégueulasse. 36, gros, c'est ça. S'il te plaît. Oui. Gros, j'ai dû appeler tout ce que je pouvais appeler là. Invoquer tout ce que je pouvais invoquer pour mettre ces 3 là. Allez hop, cette fois c'était pas une faute, sors de là. Mais avec mon petit meneur, on peut faire ça. Ouh! On aurait dit ton frère la longueur là, ton grand frère. Sauf que la différence c'est que lui il aurait mis le N1, mais bon. Bon, c'est la mi-temps. On fait un match très bancal, mais bon. On gagne et on a mis 15 points, c'est déjà ça. On a galéré à les mettre ces 15 points, mon ami. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc, nique ma deuxième mi-temps, c'est ça que tu me dis. D'accord, bon, bah, on oublie double-double que je voulais faire avec les 8 passes D en plus, là. Mais... Allez, une passe D. Non, pas lui. Oh là là. Mais ils sont irrespectueux, c'est un truc de ouf. Ils vont pas jouer une seule minute. C'est quoi ça? Johnson, t'es sérieux pas me lâcher? Ah oui, c'est vrai, c'est la fin du match. Non. Allez, gros, on gagne de 7 points, 15 points. J'ai dû tirer 13 fois pour les avoir, les 15 points, je pense. 2 passes D. Archi tendu. Hein. On a presque porté infini. Mais franchement, c'est pas mon style de jeu. Et le perso est pas encore assez chaud. Il faudrait que je cravache ses badges et tout pour l'améliorer. Et qu'il monte à 86. Mais j'ai pas les VC pour l'améliorer non plus. Parce que ces enfoirés d'escrocs à Touquet là. Et... Ils ont augmenté le prix cette année des VC, donc maintenant tu dois galérer pour faire des nouveaux persos. Mais... Ce que je veux dire en gros, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets Franco la shootance à la retraite? Et on joue plus avec lui, il oublie la NBA, il va travailler à Subway, ou est-ce que je persévère? Là j'hésite, hein. Je sais pas si je vais rejouer avec lui, j'aime pas trop ce perso, hein. Je sais pas. Je sais que meilleur il serait meilleur, ce qui est archi logique, c'est un peu con à dire meilleur il serait meilleur, mais vous voyez ce que je veux dire? S'il y a plus de badges, etc. Mais... Je crois que tu vas prendre ta retraite, frérot. Hein. Je crois que tu vas aller faire des sandwichs. Hein. Je crois que tu vas aller rouler des tacos à Chipotle. Hein. Ah, je sais pas, on verra. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais... Hey, I know what you're thinking. C'est ce que je pense. Yeah, so you just watched me build a brick tower from like 10 feet away. No, I'm thinking that you want to go out there and do some performative Kobe Bryant shooting in the arena. Eh bref. J'ai pas envie de t'écouter, Chami, là. Merci d'être là, les gars. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À l'approche. Pourquoi j'ai forcé comme ça? D'habitude, je fais juste ça et là, j'ai commencé à... C'est quoi, ça? Bref. Salut, les gars.